La FEF, c'est l'association de la Fondation étudiante pour la ville. C'est créé en 1991 pour réduire les inégalités dans les quartiers défavorisés et pour permettre à des étudiants bénévoles de s'engager concrètement en direction des enfants et des jeunes de ces quartiers. Alors là, on est dans les locaux de l'université de Cergy-Pontoise sur le Val d'Oise. Les jeunes qu'on accompagne, c'est des jeunes qui sont en difficulté scolaire, sociale également. L'idée de l'accompagnement, c'est de valoriser le jeune par des méthodes autres que des méthodes scolaires. Nous, on est plus sur le bien-être du jeune à l'école et dans son parcours scolaire et éducatif. La FEF s'inscrit dans l'opération La Flamme Marie-Claire. Parce que nous avons une action en direction des jeunes filles des quartiers et les étudiantes de la FEV les accompagnent individuellement dans leur parcours quand elles rencontrent un certain nombre de difficultés. Et grâce à cette action de bénévoles de ces étudiantes, on permet de réduire sensiblement les inégalités éducatives qui touchent les jeunes filles de ces quartiers. Tu as déjà vu la courbe de X au carré ? Donc à Isabelle, je l'aide un peu dans la méthodologie, je vois qu'en maths, elle a un peu de mal, on parle beaucoup, on est deux filles très bavardes. Et une fois aussi, elle a voulu découvrir ma culture. Grâce à elle, j'apprends beaucoup plus de choses, et sur le monde aussi. Parce que si elle ne ferait pas découvrir sa culture, je ne saurais pas grand-chose. Pour nous, c'est vraiment la première année où on est associé à la Flamme Marie-Claire, et c'est pour nous une vraie reconnaissance de l'action des étudiantes bénévoles de la FEV dans les quartiers. C'est une reconnaissance de l'importance de la lutte contre les inégalités scolaires aussi en France. Et c'est vraiment la reconnaissance de l'impact et de l'efficacité de notre action.